Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité. Nous allons parler à Annette, il me semble. Annie, pardon. Et donc, on rentre dans le QG des filles. Allons-y, allons-y. Hello, girls. Are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sparkle! Sunshine! Bon. Ok. Pourquoi pas. Je note juste le nom du présent épisode. On va l'appeler... Voilà. Arrachage de boule, normalement. Et donc... Voilà. Le nom de cet épisode, ce sera comme ça. Il y a un garçon barjo qui tourne autour de... Ok. Voir si les garçons présents dans le journal de Kyle peuvent traduire le document. D'accord. Ah bah oui, il y a... merde, comment il s'appelle? Alors c'est là où ça devient un petit peu bizarre pour nous, chers amis français. Francophones, tout ce que vous voulez, hein, qui ont regardé la série en français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Cela dit... Où est-il? Pas lui. D'accord, ce n'est pas lui. Parlons à Kyle. What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Cinq femmes ont subi un avortement. What language? Ah non, non, ça va. It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north. Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated is going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and north, then north. North. Et nord encore nord. Ok, c'est ce qu'on avait vu. Alors, je pensais qu'on allait voir un autre personnage, mais je ne l'ai pas revu. Et donc, dans les amis... Non. C'est vrai que je ne l'ai pas vu. Donc, je pensais qu'on allait parler à quelqu'un d'autre. Mais écoutez, c'est pas grave. Bon, maintenant, je peux me rhabiller normalement, je pense. Hein. On va mettre ça. Ici, on va mettre... Si on trouvait quelque chose de sympa. Non. Perukemo, non. Ça non plus. Ah, c'est dommage, j'ai pas ce que je voudrais. Ah, attendez, non. Perruque à la Francis, non plus. Ah, je trouve pas ce que je voudrais. C'est vraiment dommage. Non plus. Ouais, on va partir là-dessus, teinture. Noir, nous sommes un voleur. Faut pas non plus se voiler la face. Hop. Pourquoi pas. Non, on va partir là-dessus, c'est bien.
Ouais, là, ça fait vraiment creepy, par contre, hein. Barbe Klingon, non. Non, clairement, non. Je pense que nous allons partir sur la barbe Mongo. En teinture bien noire. Voilà, hop. Crac. Au niveau de l'armure. Vampirisme, attaque parfaite, draine 50 PV sur un adversaire en sang. Eh bien, écoute, on prend ça. Et au niveau des gants. D'accord. Plus 15% de dégâts contre les ennemis en sang, ça je prends. Ok, parfait. Nous voilà équipés, chers amis. Nous voilà atrocement bien équipés. Bon, allez chez Photo Dojo. Je sais même plus c'est où, si c'est là. Simplement. Pour prendre une photo et la mettre sur le passeport, tout simplement. Oui, oui. Vous ne rêvez pas, j'ai bien dit ça. Bon. Ok, allons-y. Il y a beaucoup d'amis à se faire dans South Park. Certains peuvent vous demander de... J'ai pas le temps de lire. Hello there. Hi, here to get your passport photo taken. Just head into the room there and we'll get started. Ok. Step between the lights, please. D'accord, pas de souci. That's great. Ok, smile. Oh, do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Non. Je suis très très bien comme ça. It's just not working. Let's try that other outfit. Non. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Vas-y, on change. No, tell you what. How about just no shirt at all? Let's try that. D'accord, je vois le genre. Ok, on enlève la chemise parce que de toute façon, j'ai bien compris le principe. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Ok, on enlève. C'est parti. Ok, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Merci. Je suis à poil, mais merci quand même. What are we waiting for? Toi! Tu vas payer pour m'avoir enlevé mes fringues! Voilà, ça prendra. Bon, tout ça mis à part, Butters, vas-y, tape. Boum! Merci, Butters. Qu'est-ce que... D'accord, ça me fait mal qu'il ait pris réussi à prendre notre photo, à vrai dire. En plus, je m'étais bien équipé. Ok. C'est très bizarre. Maintenant, j'aimerais bien me rééquiper, s'il vous plaît. Merci. Je retrouve plus mon... Non. Où est-elle? La voilà. Et enfin... Boum. Voilà. Nous revoilà équipés, pardon. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ticket d'avertissement. D'accord. L'esprit de Noël. Non! 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 Ok, bon, allons-y. Congrats, kid. You have your first passport. Merci! Merci, merci. Bon, on y va. Ça doit être par là, je suppose. Hop! Crac! Alors on m'a dit qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Qu'il y avait un jeune. Oula! Hop! Apparemment, il y a un jeune dans le tas, donc je préfère aller voir d'abord. Boum! Ok! Allons-y! Feel my righteous fury. Boom!
Ah, j'ai raté. Trop tard. Bah, dis donc. C'est vraiment, je vois rien. Aïe. J'ai pris un sale coup. Si je fais ça, j'ai pas une chance de les buter tous les deux. Ah non. Je me suis chié dessus. C'est pas grave. C'est bon. Raté. Ok, apparemment il y avait un gamin là-dedans. Bon, en tout cas, pas loin. Faites qu'ils ont pas repop, merci. Ah bah ils ont lâché des trucs par contre. Enfin, leur corps s'est désagrégé littéralement. Ok, apparemment il a vu un jeune là-dedans. Donc là c'est l'endroit d'Algor, donc il n'y aura plus rien maintenant. Ok, et là ça ne pouvait être que... que eux quoi, donc y'a rien à dire. Ok, bon bah écoutez, y'avait rien d'autre en fait finalement. Je me suis fait U tout simplement, je me suis juste fait U. Ok. Ah, c'est pas par là que je voulais aller. C'est par là, voilà. C'était donc pas ça. Ok, essayons ça. Voilà. Alors, toujours vers le nord, puis après le nord. Le nord, et on est bon. Heureusement, il n'y avait pas de loup nazi, ça aurait été terrible. C'eût été terrible, comme l'aurait dit l'autre. Bah oui, j'ai mon passeport. T'es tout seul, mon pote. Merci. Salut. Et là, de mémoire, il va se passer un truc sympa. Voilà, bienvenue au Canada. Et on change de jeu, complètement. Au Canada. Pensez-vous que ça allait les faire s'arrêter? Finalement, non. Yo! Qu'est-ce que tu as à vendre? La clé mort du combattant! La hallebarde canadienne. Dit comme ça, c'est assez bizarre. Mais non, on va oublier ce que je viens de lire. Au Canada. You're not from around here, are you? La banque. Welcome to the Bank of Canada. Oh, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. Non. Come back soon. Welcome to the Bank of American money. Donnez 20 USD. Merci. Ok, Butters, pousse-toi s'il te plaît. Merci, Butters. Ok. On entre là-dedans. Oh mon dieu. Au Canada. All hail the prince and princess of Canada. Hail, yeah. Hail, yeah. C'est débile. Sonnette de joie, d'accord. D'accord, c'est intéressant. J'aime canadienne. Ah, je m'en doutais que je pouvais les casser. Comme dans Zelda, quoi. Bref. Est-ce que je peux descendre, s'il te plaît? Allez. Ah non, je n'y ai pas accès. Mince. Ah, blah. Bon, allons les voir. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained
A passport. Ouais, tout à fait. Ah putain. Je l'avais oublié. What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. Oh mon dieu. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. Merci mon prince et ma princesse. The wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Oh mon dieu. Des affreux loups. Comment peut-il être pire que des loups? Ah d'accord, oui, c'est parce que pour traverser le truc, je ressors par là. Ok, je capte. Hold it right there. Here are your photos with the prince and princess. Would you like two 8x10s or 6 5x7? 8x10. All right, there you go. You can exit right through there. Merci. Hop. 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 Ok. Je vais rééchanger un petit peu d'argent. Bizarrement, je sens qu'on va en avoir besoin. Bizarrement, je le sens bien, comme dirait l'autre. Ok, la suite. Continuons. Oh mon dieu, oui, il y a des loups partout. Saloperie de loulou. Pas les loulous. Poutine. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est l'araignée. Voilà, bon, à la quête de saignement en plus, qui pour moi était important. Hop. Ah, boum. Oh la vache, j'ai pris tellement cher. Ah, boum. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Un petit coup de soin. Merci. Boum. C'est bon. Oh mon dieu. Elle m'a littéralement chié dessus. Bon bah elle est morte moi. Gant barbare. Gant de barbare pardon. D'accord. Ok. Why not. Non loulou. Pas loulou. Ici. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Dans cette grotte. Oh, il y a un coffre. Ah oui, mais il est loin. Oui, oui, oui. C'est la S-Mauvais. Allô? À secours! Qu'est-ce que... Je le pète, désolé. Comment suis-je censé le briser? That was stinky. Hop. Oui, oui, oui. Cela est mauvais. Cela est mauvais. Au secours. Oui, d'accord, il parle bien anglais, c'est cool, mais... Il a pas réussi à m'attaquer. Toi, tiens, bouffe. C'est moi qui l'ai frappé en premier. Oh la vache. Ah, il s'arrête qu'ils sont moches. Boum. Voilà. Et ici, un petit coup de foudre. Hop. Hop, boum. Ça fait mal. Normalement, ils vont mourir juste après. Raté. Des loups de givre, comme dans WoW. Tu es mort. Voilà. Parfait. Des espèces. Bah oui, c'est des dollars canadiens. Allons-y. Hop. Welcome to Winnipeg. This is a conservative town. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Mais il est pas là. Rapier flamberge. Oh, c'est con parce qu'elle a l'air sympa. Elle a l'air su. Ouh, ouais non, en fait elle était naze. Ceinture d'armes, porte-clés griffe d'affreux ours. Ça, ça peut être sympa. D'accord. Oh, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé encore? This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right?
It's like a bear. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ah, c'est parce que c'est lui ? Ouais, d'accord. Ah, je pensais qu'il serait par là. Ah, mais non, il est là-bas. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. Ah, mais justement, je veux y aller. Sorry, buddy, but there's dire bears up there. Ah ! Ok. Bonjour. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what. Kill off all the dire bears in the north of town, and I'll help you however I can. Bah, c'est ce que j'étais parti pour faire, l'ami, hein, mais bon... Dis à tes gardes d'aller se faire foutre. Hop, je l'ai frappé en premier, il est tellement mauvais, c'est... Il y en a trois, là, on est d'accord, hein, j'arrive pas. Boum. Ok, non, Butters, fais pas le con, Butters. Frappe. Boum, c'est bon. Ah bah... Je m'attendais à... Je m'attendais à plus difficile. Ok. Bon. Bah tiens. By Jove, you've done it. Look at all these dire bear pelts. Now I can finally make a dire robe. Oh, putain. Right, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him and he should let you speak with the Minister. D'accord. Oh, boy. I will have the most dire robe in all of Canada. Ok, bon, on a une nouvelle demande d'amis, c'est cool. Welcome to the shop. C'est complètement bugué, c'est pas possible. Il me parle de partout, le bonhomme. On va quand même aller à Vancouver, merde. Oui, nous y sommes. Bonjour madame. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by quickly becoming the world's 11th most popular sport. D'accord. Et ici nous avons quoi? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ouais bah vas-y, montre. La baguette de l'archimage. Pourquoi pas? Et ici nous avons. Ok. People come from far and wide to buy our 2010 Winter Olympics merchandise. Si tu le dis. They say that the Duke earned his title by winning a log roll with the last Duke. Let me call you back, Larry. What in the name of... Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy, too. No, I haven't seen that show as a kid. Tu pourrais me... Let me call you back, Larry. What in the name of O. Henry is an American doing in my office? Who let this kid in? D'accord. Oh. Boom. Barbe de bûcheron, hache crantée de déchirement, c'est sympa ça. Casque de barbare. Ok, bon bah tout prendre, on va tout prendre, c'est bon. Crac. Voilà. Salut, j'ai fait un trou dans ta maison. Fuite. Hop. T'as pas vu ce qu'il y avait tout en dessous? Si. Y a rien, voilà pourquoi on l'a pas vu. Ok, on peut viser peut-être quand même... Merde, Banff, je sais pas, machin. Y'a un coffre là. Ok. Welcome to the shop. Can I interest you in my... Après, vas-y. Hein. D'accord. Équipement, mitre d'évêque, gants d'évêque. D'accord, arme, couteau sacré du Mossad. Oh putain. Ok. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. Oh, je voulais pas le savoir ça. Oh. Merde. Praise Christ. Praise God. Praise God and Christ. D'accord. Ok, bah on est pas rendu avec eux hein. Ça va être coton. On y retourne. Hop. Et hop, c'est bon, on y est. Ok, bon, on va aller voir le roi, enfin le prince, pardon, le prince, ne pas se tromper, le prince. Hop. Bla,
Voilà, si je connaissais le con qui avait mis une table en plein milieu de la... Bonjour. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Quoi? The Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste. Ok, on va tuer un mec pour le prince. Ah, j'avais zappé ça. C'est magique. Ok, mais ça on le fera, chers amis, dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. En tout cas, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.